Ouais, bonjour à tous, c'est Zach Mossy, on se retrouve pour le 1 an Channel C'est Freaking Rolling sur WWE 2K23. 1 an durant lequel, dans un mode univers modifié, on va essayer de réaliser la meilleure carrière possible avec un catcheur choisi par la communauté. Cette fois-ci, C'est Freaking Rolling. On est actuellement, normalement, si je ne m'abuse, champion World Heavyweight. On ne l'est plus, c'est vrai, j'avais perdu le titre, my bad. J'ai perdu le titre dans le triple threat contre Gunther et Cody Rhodes. On avait été très mauvais à Survivor Series. En tout cas, on est parti. J'espère que vous êtes chaud pour cette dernière session du 1 an Channel C'est Freaking Rollins. On s'en va directement pour le Monday Night Raw suivant pour aller vers Day 1, Royal Rumble, Elimination Chamber et WrestleMania. Allons-nous cette fois-ci être dans le Royal Rumble? Nous allons voir, ça va être intéressant. Salut Brian et salut Pompon Mickey! Incroyable, quel pseudo! Nous ne sommes pas bookés sur ce Monday Night Raw pré-Survivor Series. Ce n'est pas étonnant, on a été mauvais, on ne mérite pas. J'espère que vous allez bien les gens. Ça fait plaisir de refaire du streaming. On en a fait un petit peu là tout à l'heure. Je pense arrêter après la session de 2K parce que j'ai pas encore dormi hein, parce que voilà. Et donc demain on fera je pense 3-4 sessions. De toute façon maintenant on va streamer comme des chacals tous les jours. Donc soyez prêts, il y aura de la rediff, il y aura du live. Du coup j'ai regardé la rediff, bon on va pas se pito, je suis dernier. Eh en vrai franchement mec tranquille hein. Y'a pas, de toute façon y'a pas de, y'a pas un record, y'a rien frérot. Cap, bienvenue à toi Pompon, c'est la première fois que tu parles dans le chat, fait plaisir. Oui, bon, mais j'ai envie de dire, Brian, y'a pas que le titre dans la vie. Y'a pas que le titre. Y'en a, ils tueraient pour être sur la carte. Salut la zone de TikTok, putain la vache, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu mon gars, quel plaisir, incroyable. Bienvenue, bienvenue! Allez, on va affronter Cody Rhodes, l'actuel champion World Heavyweight, qui nous a piqué le titre, de toute façon. Tout simplement, pardon. Donc, on va essayer ce Vengeance Day, évidemment, dans le but de potentiellement remonter. Je crois qu'on est toujours premier au Power Ranking. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si tout ce qui est au niveau de l'image et du son est bon. On préfère faire les changements en début de stream plutôt qu'enfin, comme d'habitude. C'est important. Premier live 2K depuis le retour de blessure du streamer. C'est cool qu'il n'y a pas Wolfried, ça repose. Ah, ça commence à trash talking. Aïe, hop, l'esquive. Bang! Oh bah ciao! Salaud! Oh quoi il m'a eu? Va falloir retravailler les muscles les gars. Les mouvements musculaires qui ont été oubliés depuis le temps. Oh! Leg drop! Fait Hulk Hogan! Oh fudge! Donc si tu veux, tu peux faire le super. Ah oui, alors je sais, j'ai vu ton message. Je sais que je l'ai lu, mais je sais plus du tout. J'ai oublié Alzheimer. Comment je fais le super stomp? Attends, je vais regarder. Frog splash, pedigree, stomp, springboard stomp. Bah non, y a pas. Stomp au sol et coup dans les cordes, springboard blackout. Donc non, y a pas. Ah si, c'est ça, c'est coup dans les. Ok, c'est bon. Je vais faire ma gueule. J'ai rien dit. C'est bon, j'ai vu. Fais le move. Fuck! Ouh, la German Suplex by Cody Rhodes! Ah ben, je meurs! C'est bon. Allez. Fuck! Ouais, tu mets Cody dans le coin comme ça, super sympa. Ok. Tu sais ce qu'ils appellent ça, le blackout mes couilles là? Ça s'appelle ça. Ouh! Le coup de genou était vénère. Alors, je peux vous dire les gars, on va être fou aujourd'hui. J'ai pas dormi, je suis claqué. C'est la première fois que je fais du catch depuis pratiquement plus d'une semaine. Parce que j'ai pas rejoué, hein. Même si j'étais blessé, j'ai pas rejoué. Attendez. C'est bon. Oula, excusez-moi. Oula. Excusez-moi, j'ai eu une petite douleur au poumon là. Oui, donc je disais, ouais, vu que j'ai mon truc à l'oreille, j'ai pas du tout joué. Donc là, on reprend directement en légendaire.
sans révolte, comme ça tout de suite, c'est insane. De toute façon, c'est le contenu, voilà, c'est le contenu, c'est le watch time, c'est la qualité, c'est voilà quoi, c'est la spécialité, c'est le divertissement, fils de chien, c'est le voilà, c'est tout ça quoi. Par contre, Cody, calme-toi. Eh, détends-toi, le Sly Bar. Like we love to say. Se clamer le Sly Bar. Oui, bien. Oui, toi, tu te clames. Tu te clames. Quand t'as quelqu'un qui te saoule, tu lui demandes de se clamer. Ouais, bien. Oh là là. Je suis pas réveillé, moi. Donc, le streamer est devenu un peu con entre temps. Ça a rendu teubé de plus streamer, bordel. Bon, après, d'après d'autres personnes, ça m'a rendu surtout inutile et nul à chier, mais bon, c'est autre chose. Quoique, d'après d'autres personnes, même quand je stream, je suis une merde, donc bon. Allez, c'est parti, Super Storm! Oh! N'utilise même pas la révolte, c'est bon. Évidemment. La base de la base. Fuck! Allez, contré! Wouh! Oh, fuck! Oh, la German, elle fait mal au cul! Cody, tu m'emmerdes! Casse-toi! J'ai pas demandé à ce que mon premier match de retour soit si compliqué! Je peux pas me taper un Damien Priest, un Finn Balor, une merde comme ça, là! Voilà! Un Jean-Kevin, là, qui sait pas combattre! Wouh! C'est fini. Non, je déconne, c'est pas fini. Allez, révolte. Oh, Cody Rhodes, tu m'emmerdes. Tu sais quoi, je vais lui remettre un. Ah, oh, blablatard. Bah, d'accord. Je vais me faire foutre. Dégage, sale fou. Allez, oui. La roll-up zone, allez. 1, 2. Ah, j'ai cru au moins la révolte, s'il vous plaît. Ça aurait été beau, au moins la révolte. Il a pas volé. Je saute. Il a toujours la révolte. Ta mère, le rouleau compresseur, c'est ça. Ah la merde, le loulou, Jason des loulous. Oh le chien de la casse. Allez, dans ta sœur. Allez, va dans le ring. Allez, vas-y. Je pique son finish. Crossroads. Je lui ai ce qu'on appelle dans le métier bang bang le cul. Ça c'est propre de fou. Je lui ai bang bang le cul. Alors est-ce qu'on a un autre petit match? Ah bah tiens, il y a William O'Brien qui est en train de catcher. Oh, Bobby! C'est rare qu'on affronte Bobby. Quel plaisir. Allez, Brian, un petit GD, tu tapes. Mais voilà, Brian! Tu parles, mais tu gagnes des matchs, mon gars! Tu gagnes des matchs! Oh là là, mais regardez-moi cette victoire contre JD McDonald. Incroyable. Salut, Zero Geek! Comment tout va? Après, Zero Geek, on passe mytho, t'es en train de dire salut tout le monde, mais actuellement il n'y a personne de connecté pratiquement sur le stream
parce que on est en semaine, parce qu'il est midi et parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas stream, donc tout le monde en a plus rien à foutre de moi. Nice hein. Ça et toi? Bah tranquille, on se met bien hein. Retour des streams au calme. Je veux que ce soit Ertrus qui gagne contre Gigi. c'est vrai. Mais on a eu Baron Corbin et on a eu le Broco et le... On a eu le Baron Corbin et le Braun Breaker qui ont gagné les titres tag team, donc on est content. Premier titre pour le Baron en 6 ans. 6 ans la dernière fois qu'il avait eu un titre à WWE. Quel plaisir, je bande. Tellement à Tatuki 24 pour pouvoir faire un an change Baron Corbin. Par contre je vais l'avoir, tu vois. Oh putain, si j'avais pu faire 3. Mon dieu, ça aurait été scandaleux. Mais ça aurait été badass. Ta sœur. Allez, dégage. Wouh, Sling Blade. Leg drop. Allez. Oh, le double coup de genou. Oh, les combos qu'on est en train de mettre. Allez. Ouh, raté. J'étais content de ce que je faisais là, mais... Fuck. Contré. Wouah. Et Pedigree on Bobby Lashley. Putain, il l'a contré évidemment, ça c'est pas drôle. Fuck. Contré. Yes. Leg. Ah bah d'accord, il n'y a plus d'énergie pour faire un leg drop. Et lui il avait pas assez pour faire un spear. Dommage. Ça aurait été beau. Falconaro. Bang. Phoenix Splash. Raté. Oh le bâtard. Oh, il m'a fait passer par la troisième corde les gars. C'est, je dis ça sent pas bon pour le Royal Rumble. Regardez-moi ce con. Faut savoir viser mon cochon. Faut savoir viser. Sling Blade. Et Fox Splash. 1, 2. Évidemment. Évidemment. Le heavy du damant, le damant de heavy, évidemment. Compris, hein. Et allez, Super Stompy. 1, 2. Pardon. Comme disait Amel Bent, viser la lune, ça me fait pas peur. Bah, c'est ce que Bobby a fait. Ah ouais, mais frère. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Mais la mesure, j'y crois encore et encore. Mes sacrifices de ce que j'en serai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Fister la lune, ça me fait pas peur. T'as compris, puisque tu lui mets dans le derche quoi. Fister la lune. Et moi je trouve ça marrant. Moi je dis fister la lune, c'est c'est le meilleur des remakes. Tu vois, il y en a, ils font des reprises. Pourquoi pas faire des remakes de chansons? Genre la reprise de viser la lune, c'est fister la lune, tu vois. Moi je dis, il y a un truc, il y a un game à faire hein. Parce que voilà, les reprises, on connaît, hein, c'est la même. Hein. Faut faire des remakes de musique maintenant. Mais le Ben ne va pas aimer la concurrence de sa chanson. Alors, Pedigree, ça dégage. Et enlève-toi, mon petit Rollins.
On a deux finishes, on va le défoncer. Et stop! Fini. One, two, three. Salut Monkey Jesse, comment tu vas? Bah moi ça va mieux depuis quelques jours là avec mon oreille. Et sinon j'ai pas dormi, donc je suis claqué. Voilà. Tu as mon état mental. Et beaucoup d'autres aussi que je ne vous partage pas. Parce que ce ne sont pas des trucs cool. Donc j'ai pas envie de faire partir le stream dans un stream mélodépressif. En gros, je sais pas si t'es au courant, mais j'avais eu un problème au niveau de mon oreille gauche. En gros, je m'étais ouvert à l'intérieur de l'oreille. Donc en fait, du coup, le temps que ça se referme, fallait que j'arrête les streams. Parce qu'en fait, à mettre mes écouteurs, ça faisait que rouvrir la plaie, la refermer, la rouvrir. Donc c'est pour ça que pendant une semaine, il n'y a pas eu de stream. Parce que c'était le temps que mon oreille se soigne, du coup. Et après, bon, il y a eu plein d'autres trucs pendant le temps. Parce que évidemment, je ne peux pas avoir une semaine tranquille où juste je me repose sans qu'il y ait un milliard de bordel dans ma vie. Donc on va dire que je me suis encore bien fait chier dessus, quoi. Proportion gardée, encore une fois. Hein. C'est parti, revanche à Day One. Est-ce qu'on a une revanche pour le titre? Ou pas du tout? Oh, le match, il donne envie. De Cena, Reigns, McIntyre, Sheamus, Biggie. Revanche, let's go. Merci, Monkey Jesse, pour le sub. Ça fait que ça en plaisir ton troisième mois. Merci. Ça fait plaisir. Incroyable, l'argent des Saponais. L'argent. Shayna Baszler, nouvelle championne. Carmela, nouvelle championne, let's go. Putain, elle changement de titre aujourd'hui. Mais Main Event, il donne envie. Eh, hey, frérot. Demain, Priest Retain. Quand je suis ouvert l'oreille, j'ai dû, en fait, en m'ayant nettoyé l'oreille, j'ai dû pas faire gaffe. Et j'ai dû, tu sais, en mode gros charclos. Et j'ai dû me défoncer. Ou je sais pas, peut-être que j'ai eu un bouton. Ça peut arriver aussi, hein, tu vois, t'as un petit bouton qui pop. C'est un bouton de, tu sais, de, je sais pas, de stress ou n'importe quoi. Peut-être je me suis fait piquer et en fait juste j'ai voulu, tu sais, j'ai pas fait gaffe. Hop, il a pété et après le temps que ça se remette, quoi. Roman Reigns nouveau ou toujours champion, je ne sais pas. Ça y est, Etienne, comment tu vas? Je suis nouveau Squad Live. Mais évidemment, oui, bien sûr. Roti Reigns, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Désolé. Je dois partir pour m'habiller et regarder la victoire de Baron Corbin et Brand Breaker. Je suis parti pendant ton deuxième match, j'ai loupé un truc. Non, j'ai juste défoncé Cody Rhodes. Non, Bobby Lashley, j'ai juste battu Bobby Lashley. Et donc on n'était pas booké sur les autres jours avant Day One. Donc là on a Day One pour le titre World Heavyweight Rematch, évidemment. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a un peu de monde quand même sur mon retour de stream. Parce que c'est vrai que souvent quand t'es un petit streamer comme moi... quand t'arrêtes pendant quelques temps, même si c'est parce que t'étais malade ou que t'avais des problèmes, voilà, ça... Souvent, t'as pas beaucoup de gens qui reviennent parce qu'ils t'oublient, parce qu'il y a plein d'autres streamers. Ça fait plaisir qu'il y a un petit, de voir un peu de gens, quand même. Et même si j'étais pas actif sur YouTube, Twitch, j'étais quand même actif sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. J'ai sorti trois vidéos sur ma chaîne secondaire. Une vidéo pour parler de Vengeance Day, mon avis sur Vengeance Day. Une vidéo pour parler de la review de la saison 1 de Wix, parce qu'on avait fait le gage. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire une review. Et j'ai fait aussi un rétro catch. C'est un nouveau format que je fais actuellement sur la chaîne secondaire, où je vais mater de manière aléatoire plein de shows qui peuvent être de n'importe quelle époque, 2005, 2008, 2015, 2018, 90. Et où je ferai en fait une remise en contexte des matchs et tout simplement mon avis par rapport au match, un peu comme un qu'est-ce qui s'était passé de Street. Et là c'était SummerSlam 2018 qu'on a fait. Donc il y en aura peut-être à peu près un toutes les semaines ou toutes les deux semaines, je sais pas encore, ça dépendra si pendant mes jours de repos j'ai le temps de m'en mater un et de le faire. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, je suis secondaire, ça mange pas de pain, c'est sympa. Après t'es parti une semaine à l'échelle de Twitch, c'est rien. Tu rigoles mec, quand tu pars une semaine justement à l'échelle de Twitch, c'est énorme. Je regarderai le replay car la coiffeuse vient d'arriver. Pas de soucis Vanky, à la prochaine. Où vont tes retrousses? On va le faire sur Mania 40.
Oui, mais non, mais à partir de maintenant, tous les shows seront reviews, oui. En fait, je fais des reviews sur tous les shows à partir de maintenant. Et après, bah, t'as RetroCat sur tous les anciens shows, quoi. Tu sais, c'est le rythme dans la peau avec son thème song. Eh, hey, frérot. Parfait. We want Cody. We want Cody. Quand il fait pas de live pendant une semaine, c'est trop. Ah, pourquoi je vous ai manqué tant que ça? Une semaine d'absence sur les. Sur Twitch, les modes au Twitch commencent à donner des idées. Ah, c'est le titre, c'est Cody qui a le titre, ouais. C'était lui qui l'avait gagné au dernier PPV. Dernière session, j'avais oublié d'ailleurs. Et sinon, je vous ai tant manqué que ça pendant une semaine. Ah, vous allez me faire pleurer, hein. Incroyable. What they came to see. C'est parti. J'ai besoin d'un live pour monter mon rêve. Mais frérot, ils vont arriver les lives. Au calme. Pour le coup, on l'a eu Cody à Mania. Et tant, mais ouais, c'est ça. Il a pris parce que au dernier PPV, il y avait The Rockers Rent. Mais non. Non, il l'a pris parce que bah, au dernier PPV, t'avais moi, Cody. Et comment ça s'appelle Gunther. C'était un triple threat elimination. J'ai éliminé Gunther et après je me suis fait éliminer par Cody parce que son crossroads il est trop chiant. Oh, faut qu'il win sur ce sera un con. Oui, mais non, mais il va gagner à Mania. Faut arrêter les conneries. Reigns ne ressort pas de Mania avec le titre. C'est impossible. Impossible. Hop, ça dégage. Dégage, sale fou. Voilà. Raté. Fuck, j'ai mis click. Oh, je déconne, j'ai pas mis click. Mais bon. J'ai jamais vu les triple threat emissions sur le jeu. Faut, c'est une stipulation que tu crées. Parce que tu peux créer tes stipulations dans le jeu. Donc moi je les ai créées. J'ai créé les Fatal 4-Way Elimination aussi. Sachant que la WWE est capable de tout, j'ai un peu peur. Mais non, t'inquiète. Au calme, gars. Au calme. Arrêtez d'être défaitistes, les mecs. Bien joué. Oh, il m'a jeté. Il m'a tège. Il m'a tège, je suis sa salope. Cache une prise à Mania. On sait jamais, peut-être. Hein. Ça serait cool, hein. J'aimerais bien. Hein. Après, le problème, c'est que si c'est sur Cashin, tu vois, encore une fois, ça veut dire que Roman Reigns sera pas perdu en 1v1. Mais que avec le Cashin, tu vois. Ah oui, si Cody finit l'histoire avant, oui, ce serait parfait, tu vois, comme ça, ça fait une rivalité et tout. C'est-à-dire qu'à Backlash, on aurait Cody Damien Priest. C'est fou, ça. Wouhou! Il a esquivé le bâtard. Raté. J'ai vu sur TikTok et Twitter que Carlito n'a jamais été éliminé du Rumble 2024. J'ai revu le Rumble et c'est vrai, il est passé entre la deuxième et la troisième corde. Ah ouais. Bah voilà le vainqueur, hein. C'est lui qui va affronter Roman Reigns. Et le dive. Non, d'accord, tu veux pas. Allez Rollins, bouge-toi le cul. Le dive. Wouhou. Ça dégage. Exhibiting guts and accuracy as well. This is awesome. This is awesome. Allez, on va foutre un Pellegri. Bah non, parce que c'est pas drôle. Un Pellegri, un PD3 et... Carlito pour un règne de 5 ans. Oh putain, mon dieu. Il va me couper les couilles. Fuck. Hop, elle a raté. Oh. Et stomp. Là ça claque la révolte au moins. 1, 2. Ça va pas claquer la révolte, j'ai envie de mourir. Je vais mourir du cul. Qu'est-ce que c'est cool. Et Kaito, ça dépend vu que quand Cody est sorti du ring après sa victoire et qui est passé par dessus la train du camp. Ouais ouais.
Ah, j'ai raté. Allez. Falcon Arrow. Ah, c'est ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ah, mais j'ai plus d'énergie. Trop petit gratté. Ah, lui, il l'a pas raté par contre. Allez, coup de genou. Let's go. S'il fait ça après la victoire de Cody le soir même, c'est pas fou. Bad Reigns pour perdre le titre 5 minutes après, grave pas crédible. Bah justement si. Après plus gros match de sa carrière, crédible. Les cash-ins, ça a toujours été comme ça mec hein. Beaucoup de cash-ins ont été faits souvent quand les titres ont été récupérés hein, c'est le principe hein. Et merde. C'est bon. Il recrute pour le titre de Harry Play à Maya. Il va venir dans le chamber, on va rien comprendre. Attends. Oh. Merde. Je fais n'importe quoi le chat, je fais n'importe quoi, je suis plus concentré, fuck. Raté. Et pedigree on Cody Rhodes. 1, 2. Mais il a pas eu sa révolte, tu te fous de ma gueule? Ne pas s'énerver, il a Rob Break comme ça, il a pas utilisé sa fucking révolte de merde. Mais c'est bon, il contre tout. Oh là là, Mister Contring là. Rollins dead to rights, in desperate need of salvation. Rose looking to end this. That is a nasty tear on the face of Rollins now, guys. Now that is why they're there. A kick out. How did the challenger survive that? The skin of their teeth. And don't expect the champ to start going easy on him now. A fight ball, huh? What Cody has to do to put him away here. Swing blade by Rollins. Pas voulu faire ça. What do you say? I mean, this is amazing. Able to avoid there. And Seth is reeling after absorbing that attack. Not everything's gone to plan for Cody, but he still has a chance to finish the job. To finish the story, lol. We're gonna end this emphatically. What a pedigree. Now a pin for the championship. Yeah, no, he doesn't get the three. He refuses to stay down. And look at this now, bad intentions. And the ropes save him there. Ah, oui, forcément. Will he be able to last much longer? Set up in the corner of the ring. Putain, est-ce qu'ils vont finish? Paying it right back with a reversal. Cody donne du fil à retendre là. Ouais. C'est surtout les rope break, les révoltes qui veulent pas tomber qui donnent du fil à retendre. Voilà, il utilise sa révolte, c'est pas trop tôt. Seth Rollins in deep thought, hoping to conjure one last move to win this.
Non, j'ai eu le piqué son finish. Non, j'ai raté. Putain, le match du cul, le match du cul. Let's go en break. Il se fout de ma gueule en plus. Fois que je prends Cody Rhodes et que j'affronte mon frère, je prends par surprise. Genre, je clique sur le bouton finish quand il s'attend pas comme ça, il compte pas. Oui, forcément. J'ai pas été bon. Après, bon, hein, j'ai pas envie de dire, hein, mais le mec qui se sort d'un SP à 2 HP et qui clique pas la révolte, mes grosses couilles. Hein. Franchement, mes grosses couilles. Hein. Mais bon, pas grave. Si j'avais été meilleur, j'aurais pas eu besoin de la chance ou de gueuler là-dessus. J'ai été mauvais. Allez, revanche contre Randy, je vais défoncer du Randy Orton. Du Legend Killer. Là, moi, c'est du Sommeil Killer que j'ai besoin, les gars. Ou du Pain Killer, ça marche aussi. J'ai à tout ça. Frère, on a été mauvais, là. On a été mauvais du cul. Mauvais du cul, monsieur Potbeur! Mauvais du cul! Moi, j'ai avec mon pote au premier match, je l'ai battu en moins de 2 minutes, et 2 mois ou 3 mois après, dans un match de 40 minutes, il m'a pin et m'a nargué ce bâtard. Ah ouais, mais frère, après 40 minutes, tu t'étonnes et tu gagnes, hein, t'es content. Voilà, tu as affronté Brocoli, c'est sûr. Ah ouais, non, 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 Brocoli, il a été retiré. Hein. On a retiré Brocoli, hein, faut pas déconner. Yeah, but in the end, it's about putting your opponent through a table before they put you through one. Great awareness is a huge asset in this match because things can go so quickly. Next sweep, magnifique. He foiled that attack. Allez, hop là! Nicely done. Slips out of the way. Oh my goodness. Ouh, le faceplant. Was definitely not thinking about finesse with that one. Was only thinking about dominance. Et on lui travaille la jambe au Randy Orton. Stretching and tearing at all the ligaments in the leg. This match grinded him down a little. Hey, merde. Yeah, he better regroup fast before someone uses this moment to send him smashing through a table. Fuck. Rapid fire right hands. Petite séance de kiné remboursée par la sécu. Potentiellement, oui. Oh putain, vache. Je suis vraiment mauvais, hein. Je contre plus rien. Hein. But when it comes to tables matches, we tend to see a lot of construction. But the thing about that is, all too often, superstars end up the victims of their own wooden fuck, putain, mais... Sois meilleur, le streamer, là. Sois meilleur. Putain, je suis éclaté. Strong right
ta gueule. Voilà, le cul bouche. Je pense que c'est la journée où j'aurais dû t'affronter sur 2K23. Ah frère, moi je suis encore sur la journée d'hier, j'ai pas dormi les gars. Là moi je finis cette session et je vais pioncer hein. Pas ce qu'ils vont faire de Sami maintenant. Parce qu'il paraît ils vont faire un petit changement de gimmick quoi, changement de perso. Ah mais c'est un match de table. Oh, c'est un match de table. Incroyable. Quoi? C'est dégueulasse. Oh je suis désolé, c'est dégueulasse ce qui vient de se passer hein. Désolé mais il est passé à travers la table normalement là. Dégage Randy, tu fais chier, laisse pas la table. Genre de perso mais en babyface j'espère. Oui oui non il restera babyface. Oui mais c'est plus un gimmick tu vois. C'est un gimmick qui va changer. He's setting this table up and guys, someone's about to have a really bad night. Gimmick de kit, Sami Zayn on a dit les gars, faut suivre le chat. Non mais vous voyez l'effet de j'ai pas dormi sur mes capacités de in-ring. Réaction à chaud, nique sa mère. Nique sa mère, insipide exactement. Putain. Je sentais que Sami Zayn allait perdre le match qu'on a qu'à moi, j'ai un mauvais pressentiment et bah voilà. Ouais bah la même hein. C'était sûr hein. Pensez Zora qu'on est toujours pas à Miss Team alors qu'on passe des soirées à se tabasser. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Après les gens que je tabasse c'est pas mes potes tu vois, c'est mes Puchimbols. Allez JJ, vas-y viens. Parti main event Jey Uso là. Intercontinental Jey Uso. Main event Jey Uso kicking things off and he's almost unrecognizable from a few years ago guys. Thanks in large part to his affiliation with. Il glitché son Top Sender. Non, il est pas glitché, il est normal. Oh, putain de merde. Dégage. Roman put him through hell for sure, but he's come out a better superstar on the other side. We'll see if Jay can emulate his cousin's winning ways as well. But then we also have one of the greatest minds this industry has ever seen in Seth Rollins. Some call him a schemer, voilà. But he's proven himself. Dans Sami Nakamura sont deux très bons éléments. Exactement. Rollins already knows exactly how he wants this match to go, and I bet he gets his way. Oh, super kick! How he wanted them to. Love him or hate him, Seth freaking rock. If this lands, it's over. Allez, le splash! One, two, seulement deux. He got close there. It could be do or die time. Jay out of there in a hurry. Oh,
saw it coming. And that might be the start of the momentum swing that Jay needed. Jay showing it's not a time for lying down. It's time for fighting back. He switches it back around. Yeah. Shot after shot. Oh, ruthless striking. Heading up, he's thinking big. He's looking completely lost as he finds his footing. Up high. Putain de merde. Cover. In a kick out. He is still very much in this. J'arrive plus le chat, j'arrive plus, c'est fini. Le Zorakvos qui défonçait tous ses adversaires, c'est terminé, je crois. Hein. Can do better. Counters on top of counters. Suplex. Dès qu'à moi, il a été champion du monde, il me semble pas du tout. Tellement pas. Il a eu pas mal de title shot, mais a jamais été champion. Series of reversals. Oh my god, a DDT! Spiked him. Rollins' master plan got stopped in its tracks by that attack. Jay's confidence really showed in that maneuver. Whoa, not quite yet. Voilà, on va vous casser les couilles, voilà, Pellegrini. Just as Rollins envisioned it, ever. Et le stomp. Oh! One, two. He kicked out at two. An emphatic kick out from Jey Uso. How in the world did he get the shoulder up? And we know Rollins has a temper. You have to think he's starting to get in his own head a bit. Oh, I had that well skipped. Down around the C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Makes a call. The shoulder up at one. Now he's been forced to take a breather. D'accord, je peux plus sauter. On cule ta mère aussi, ça va. Putain, j'ai mon écouteur, il fait que se barrer, les gars. C'est ultra chiant. J'ai envie du cœur gauche qui. Gauche, j'ai envie de se barrer. Je pète les couilles. Hey, dropkick avec ta sœur. Forcément. Bien joué. He finds a counter for Jay. You can't take much more of this. Yeah, not looking good at all. Jey Uso can come back from this. After all, he has been down since day one-ish. What does that even mean? Super kick! Salut Mania! Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu! Vous aurez vu, on aurait pensé quoi des derniers épisodes de WWE? Bah c'est excellent, c'est excellent. D'ailleurs Mérina, au cas où, si tu les regardes en live, je sais pas si tu les regardes en live toi, mais nous on les regarde en ce moment en live sur le Discord tous les soirs. Donc bah, chaque fois que c'est en live. Je sais pas si toi tu regardes vraiment en live. Mais voilà, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de ouf. J'espère que tu vas bien. Allez, terminé ça. Gagné. Ça fait Shane Chamber que Zorak pourra regarder avec vous. C'est vrai. Parce que je regarde avec un pote. Donc ça va être compliqué. Allez, on sort de la losing streak. Ah ouais, là, faux. Hein. La losing streak était pas normale. Hein. Oh, j'ai cherché un autre titre. Allez, les gars, il faut. Hein. Nouvelle opportunité. Hein. Je vais faire pas nos animateurs. Je préfère. Alors, nos animateurs FR les mercredis samedi. Ah, ok. Je comprends. I understand your point of view, Mr. Princess. Mrs. Princess, pardon, Mr. Princess, Monsieur Princess. Allez, revanche contre Cody. Contre Jay, j'ai pas vu. Je faisais un truc à côté. Oui, j'ai gagné. I've win, pardon.
J'espère que je suis dans le Rumble. Tabernacle, tu pourras regarder qui a gagné cette... Ouais, t'inquiète, je regarde chaque fois. Attendez pas, The Rock qui fait son retour. Ouais, il casse les couilles. The Rock, on l'emmerde, ce con. Bon, on passe, hein, parce que c'est exactement les mêmes catcheurs qu'on a vu juste avant au dernier PPV. Je crois que c'était il y a moins d'un mois. Vu que Day One et Royal Rumble, c'est dans le même mois. Allez, la revanche. Parti cette fois-ci, les gars. Je suis con. Je suis plus con que centré, mais je suis concentré quand même. Let's go, hein. Je sais que je vous ai manqué avec mes blagues pourries, mon humour de merde et ma dépression latente. Oh putain. Connard. Salaud. Le bâtard. Ah, merci. Kick. Si tu repères, tu descends pour le titre inter. Oh, on fait chier. Sa mère. Flemme. On veut que Cody finisse son histoire. Exactement, Mérina. Exactement. Ça, c'est une demoiselle à marier, bordel. Une demoiselle qui nique The Rock qui peut aller se faire foutre. C'est génial, ça. Une pluie de GG pour Mérina, s'il vous plaît, dans le chat. Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé de pluie de GG. Ça fait longtemps que je n'ai pas streamé tout court aussi, donc bon. Ça aide pas. Ah, le bâtard. Je remercie une boule de pain. J'ai failli tomber à deux doigts d'être en PS. Ah, écoute. Ah, un bout de pain, ouais. Putain, je comprenais pas une boule de pain en haut de feu. Le chat, excusez-moi, mais en une semaine, vous avez perdu votre comment ça s'appelle, votre oh, je peux parler non plus. Vous avez perdu votre amabilité. Parce que je vois aucun GG dans ce chat, hein. Quoi, ce chat de fraude là. J'ai demandé une pute GG dans le chat pour Mérina, il y en a pas un seul qui a daigné mettre GG. Ouais, oh, zéro gui, putain. Incroyable. Normalement c'est censé être automatique, les gars, hein. Comme ça que je vous ai élevé, bordel, hein. Bande de sacs. Je me barre une semaine et vous oubliez toutes les bonnes manières. Bah putain. Pute. Oh Cody, tu m'emmerdes. Stopped in their tracks with a knee to the gut. Oh, look at this here, arm wrench. You have to protect your shoulders from hits like that. You don't want to compromise your ability to throw a punch or lock in a hold. Vertebraker. On peut dire que tout le monde est derrière Cody, The Rock qui veut contrôler comme au cinéma. Exactement. Exactement. I didn't think this match was close to over. Oh, here it comes. Oh, joli. La ref au daron. This is going to come down to who wants it more. C'est contré. Il a contré aussi. Both superstars showing great awareness of their opponent's repertoire. Le stomp sur Cody. Rollins with the stomp. We could have a new champion. The cover. 1 2 You know they kicked out the champion kicked out. I can't believe it. We were a second away from a new champion. Are we close? Évidemment, il a pas révolte, on sait pas drôle. Rollins is starting to lose his temper. He needs to put that aside and refocus. You hear a lot of superstars talk about stealing the show, but we are witnessing it right now with Rhodes and Rollins. Both men doing everything they possibly can to come out on top.
Salut Ken Flas, comment tu vas? D'ailleurs, c'est Cody se dégage, pas quelle fraude. Mais il a même pas eu de sa rival, ce connard. C'est bon là. On s'est cassé les couilles. Voilà, merci. Super stomp. Ça y est, toi, bah, tranquille, tranquille, hein, fatigué, mais on est là. Hein. Merci, rival claqué. OMG, OMG. Et Olympique sans finish, Crossroads. Allez, on récupère le titre avec son finisher. Je t'ai baisé. Ah, revenge. J'ai peut-être pas dormi. J'ai peut-être la tête dans le cul. J'ai peut-être un écouteur qui m'emmerde. Je suis peut-être malade. Mais j'en ai rien à foutre. Je te baise. Oh pardon. Incroyable. Et on va reperdre le titre à Elimination Chamber. Let's go. Bon, en tout cas, bienvenue à toi, Flake. 4 fois, ça fait extrêmement plaisir de te voir. Je sais pas si c'est la première fois que tu viens sur un stream. En tout cas, c'est la première fois que tu laisses un message. Peut-être que tu fais partie des gens, des fameux qui ont follow pendant ma période d'inactivité. Donc, je ne saurais répondre à cette question. Mais en tout cas, bienvenue à toi. Et merci pour les GG, ça fait plaisir. J'espère que tu kifferas ce live et que tu prendras ton pied. Évidemment. KO, le Rumble qui a gagné. Ah merde, putain, je vais regarder. M'engueulez pas, le chat. M'engueulez pas, arrêtez. Randy Orton. Et qui? C'est qui a gagné chez les féminins? Oh, ils sont pas montrés. Oh, les fils de pute. Ils sont pas montrés. Rivalité. Faudra regarder les rivalités qui se lanceront vers le WrestleMania. Vers WrestleMania. Oh non, le retour de Edge, oh non. Non les gens, c'est le retour du Edge. Non, du Straight Edge, no. Oh no. Oh non! Dommage qu'on doit passer tous les matchs pour arriver à notre match dans votre carrière. Ouais, c'est ça qui est un peu dérangeant, ouais. Bon, bah, Randy Orton versus Rollins, Samania, si tu regardes le titre. Ouais, potentiellement, on verra. Après, Randy, moi je dis pas non, hein, c'est badass, hein, Randy. Hein. Et allez! Oh, j'ai pas vu faire mon combo, j'ai trop le seum. Il m'a défoncé le cul. Hop là! Wouh! La close line derrière la tête! Qu'est-ce que tu vas faire, mon petit Edge? Il va faire ça. C'est pas tous les jours qu'on gagne deux fois de suite le Rumble, c'est vrai. Exactement. Ah merde, putain. Mais il y a qui est en train encore de prêcher la paroisse Cody Rhodes alors qu'on est tous, adeptes de la paroisse Cody Rhodes actuellement ici dans ce chat. Le premier qui me dit The Rock le meilleur, je le ban. Et se faire foutre ce connard. Allez, un petit tornado DDT. Ah non, c'est un, ah oui, c'est un tornado Falcon Arrow. Nous sommes souplex, ça marche aussi. Fais attention Brian, tu cherches là. The Rock le meilleur. C'est marrant ça, notification 4709. On dirait des enfants de 3 ans, on leur dit de pas le faire, ils le font. C'est gaulerie ça. Eh, vous êtes des marrants les gars. Non, voilà Ken Fla, ça c'est un vrai gars là. Ça c'est un homme sur lequel on peut compter là. Un Chad. Fuck. D'accord.
C'est mais de rien, vive The Rock. Go se faire enculer The Rock. Un homme qui n'a pas envie de faire marcher l'industrie mais qui veut juste se propulser en haut parce que actuellement au cinéma il pue la merde. Donc il se dit tiens je vais retourner à WWE, comme ça on va peut-être faire un petit peu de pub. Mais c'est pas comme ça que ça marche. T'es fait niquer par la communauté qui en a rien à foutre de ta gueule. Et qu'ils savent très bien que depuis que Zack Man est plus là, leur voix elle peut vraiment servir à quelque chose. Voilà. Gage. Et le stomp, t'auras plus de révolte. Si la révolte ne proc pas, je l'encule. Merci. Attends, mon écouteur, il se casse vraiment la gueule. Hein. C'est même pas que là, cette fois-ci, il fait mal, c'est qu'il se casse la gueule. Horrible. Que ? Ah bah d'accord. Les coups de boule. T'es comme ça, toi. Allez, j'ai raté. Petit robot, petit... Quoi? Faut parler français, les gars, dans le chat, hein, si vous voulez qu'on vous comprenne. Hein. Si vous comprenez pas, on comprend rien. Hein. Si vous comprenez pas, on comprend rien. Ouais, bien. Oh, c'est moi qui commence à dire de la merde, maintenant. Si tu comprenais rien, tu comprends rien. Hein. Ouh là là. Bourré man. Oh, le bâtard. Pas que tu aurais intervenir dans un des matchs de Backlash. Ouais, mes couilles, hein. J'aimerais bien, hein, mais zéro, hein. Oh, leg drop. Fuck. Woo! Kick to the abdomen. Leg drop. Il est sorti ce coup. Rentre dans le ring. Rentre dans le ring. Rentre dans le ring. Oh putain, mais quel casse-couille. Allez, Edge, bouge ton cul. Oh. Allez, Edge. Prends The Rock. Non. Non, non. Jamais. J'ai encore un peu de respect pour moi-même. Super Storm! Voilà! Allez, terminé. Je pense battre The Rock. Et en termes de quoi? Dans le jeu, dans la vraie vie? Et dans quoi? Vraie vie? Bah non, je bats pas The Rock. Le mec, c'est une montagne de mux, je suis une montagne de rien du tout. Alors, est-ce qu'on a un autre match de prévu cette semaine? Oui, contre Edge. Oh non. Oh non, les gars. Edge est reparti dans son Dark Arc où on va l'affronter 15 fois de suite parce qu'il aime pas la défaite. Oh là là. Ah. Quel casse-couille! Il va repartir les... Il va répéter les boules pendant une heure. Let's go. You think you know me? C'est parti. Ah mais ramène-toi mon Edge. Bah ça dégage. You don't do the things these two did to each other and just go home and forget it. Oh, I certainly haven't forgotten it. Matter of fact, I'm curious to see what they do next. Bien joué. That knee is a lethal weapon. And he's able to counter. Sling blade. Leg drop. He saw that one coming. Each superstar trying to stay a step ahead. And one more reversal. Talk about evenly matched here. Edge finds its mark. Edge showing signs of slowing down. If he can hold the line here, he'll be in a good position.
Allez, on travaille la jambe, on travaille la jambe. You'd think that, but Edge practically invented mind games in WWE. If Rollins is going to win this, it'll be on the strength of what he can do in the ring. Salut fan de WWE, comment tu vas? Going right after the neck. Là, le neck breaker, il casse les couilles. Hop là, c'est esquivé. Ça va et toi? Bah, tranquille, tranquille. Wouh! Fuck. Esquive. Et Pedigree. Dommage, t'es paralysé. Oh, c'est mignon. Bah, je vais te mettre un putain de stomp dans la gueule. Un, deux. Parfait, révolte. Allez, Edge, défonce-le comme sur la rediff. J'espère que Edge sera dans ton chamber. Oh non, arrêtez. Pas la malédiction Edge du chamber, hein, s'il vous plaît. Hein. Je pourrais pas tenir moi, hein. Comment je suis claqué, je pourrais pas tenir si Edge est dedans, hein. C'est pas possible. C'est impossible. Wouh! Allez, le cul bouche. Le cul bouche. Kicks to the face. Turn your lights out. Et on va faire un Phoenix Splash. Utus, us! Oh putain le bâtard. Va te spire à la Brand Breaker, tes os vont sortir de ton corps. Let's go. Pas du tout vénère le truc. Salut, ça va, t'as tout gagné. Salut Kim's Ball. Non, on a pas tout gagné, on a perdu deux matchs. Un match parce que je faisais un table match, j'ai tenté de le mettre en position powerbomb mais il a fait ramener par dessus et j'ai perdu. Et un match pour le titre contre Cody que j'ai perdu aussi, mais j'ai récupéré le titre au pay-per-view d'après. Bah j'ai gagné le titre au pay-per-view d'après. Donc deux défaites pour l'instant. Low, right into a chop block. Debilitating counter. Rollins just a step too slow. Back and forth, back and forth, looking for the advantage here. Saw that coming. Edge-o-matic. He's one step ahead there. Swing blade! Nicely done. Rollins lining it up. Here it comes. Stomp. Terrible position for Edge. Makes the cover. And this one is over. Let's go! Here is your winner. Oh! Ricky Rollins! C'est tout moi qu'il faut pas chauffer en ce moment. Merci, merci, merci. Allez, dernier Monday Night Raw avant. Bah, tout simplement le Elimination Chamber. Est-ce qu'on est booké? Oui, contre Rey Mysterio. Oh, intéressant, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu affronter. Non, oh là là, j'ai failli faire le machin. T'es mal, je perds contre Ricochet. Mais frère, Ricochet, c'est pas un peintre aussi, hein. Et qu'il est en mode, t'es match, perds contre Ricochet, frère. T'as pas perdu contre Omos ou contre. Ou contre, je sais plus qui là, hein. C'est Ricochet, hein. Avant Elimination Chamber et la perte du titre de Rollins. Ah ouais, putain, de fou. On va pas le gagner, le Chamber. Hein. C'est impossible, hein. C'est une légende, ça. On les gagne plus, les Chambers. Hein. Avant, j'en perdais jamais, maintenant, j'en gagne plus, hein. C'est, tu vois, c'est. On a changé, hein. Allez, Sting Blade. Nicely done. Evades their offense. Counter after counter. J'ai même pas vu que t'avais perdu la Day One, j'étais concentré sur ton beau visage. MDZR. MDZR, mon beau visage, le beau visage d'un trou du cul.
Oh, tu me fais quoi, petit Réré, là? Bah, Réré, mon Réré national, oh. Us, allez, dégage. Lol. Ouais, premier degré, j'avais pas vu que t'avais perdu. Oh, ouais, bon, ça, ok. Hein. Hey, Simblade. Et le drop. Oh, on tente de tomber. 1, 2. C'est bon. Seulement deux. C'est dommage. Il y avait moyen de faire mieux. Il y a moyen d'aller chercher mieux, je suis sûr, les gars. Il y a moyen d'aller chercher mieux. Y aura-t-il un 619 réponse après la pub? Exactement. Exactement. Et tu participes au Rumble. Ah bah écoute, la prochaine fois peut-être. Hein. Oh bah tiens, pas de 619. Dommage. T'as été mauvais. Both arms hooked. Severe stomp. Terminé. Every single person in this arena thought this was over, except Rey Mysterio. And we know Rollins has a temper. You have to think he's starting to get in his own head a bit. Does he have him here? Barely kicks out. Oh! In the waning moments of this match. J'ai oublié qu'il avait sa révolte et me dire ah putain c'est vrai, merde, j'ai oublié qu'il avait une révolte ce con. En fait on la voit pas, c'est pas le premier truc qu'on voit sur son machin, c'est chiant. On va attendre, relève-toi. Et que bouche. Oh putain il est esquivé. La chance. Fatality. Dommage, j'ai esquivé mon gars. La prochaine fois peut-être. Et c'est trop, c'est éliminé, c'est ça exactement. Après le Rumble, c'est un peu en retard quoi. J'ai pas aimé. J'ai fucking pas aimé. Oh Réré, tu m'emmerdes hein. Oh Réré quand même hein. S'il te plaît hein, fais pas chier. Rollins va-t-il survivre à la fin du match? Mais oui, mais oui. Regardez, vous savez quoi? Je vais lui piquer son finish, regardez. Je vais finir l'adversaire avec son finish encore. Je peux pas, c'est pas grave. Allez, je pouvais pas, j'ai pas cette barre, c'est pas grave. Il en a pas dormi de la nuit, de le tout. Qu'un streamer aussi mauvais, pas sûr. Allez, frère. Le streamer, il est mauvais de base et en plus, il a pas dormi. C'est cumulable. Oh la vache. GG, merci, merci. Cumulable comme les bons achats, oh ouais. La réduction streamer en carton. Bonne nuit alors, ah frère, frérot. Là, à la fin du live, moi ça part pioncer, hein. Ça part dans mon plumard d'à côté. Hein. Ça part pour une bonne nuitée. Hein. Une bonne branlette avant le dodo et ça va se coucher. Je pense à me partir avec le Reichland. Ah, nice! Pas mal. Bon, comme tout le monde. Mais oui, frère. Le live dure combien de temps encore? Bah, jusqu'à temps qu'on finisse l'année. Donc, je pense qu'il reste encore facilement une heure.
Becky Lynch championne du coup. Donc nouvelle, parce que c'était Carmella championne. Par contre, normalement demain il y aura pas mal de live aussi. Hein. On va pas mal liver en ce moment. Pour rattraper les une semaine. Ce sera fait pour ce soir. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Il n'y a rien ce soir. On n'est pas vendredi donc il n'y a pas SmackDown, il n'y a rien. Ce soir c'est dodo. Aussi une théorie, nouveau champion, d'accord. Pas un autre live, non. J'ai déjà live 3h tout à l'heure là. On sera plus de 2h, on sera à 5h30 là. Calmos les gars. Déjà je reprends un peu mes heures de sommeil avant de reprendre des plannings un peu chargés. Parce que là le sommeil il est pas resté fort. Marqué une nouvelle série, oui. Et ce matin j'ai fait quoi? J'ai lancé une nouvelle série. Oh Braun Strowman, là tu mérites un time out hein, franchement Anichan hein. Le coiffeur nique ta mère hein. Chamber match. C'est rare que j'affronte Braun Strowman hein. C'est beau hein, c'est beau, j'aime ça hein. Oh les sclemus, oh là là, que c'est beau. Strowman. Guys, I was in the arena when the Elimination Chamber debuted in 2002, and somehow the structure has become even more destructive. This is a man who makes the most of every opportunity, and this is his biggest opportunity ever. MJ Gunther est pas sur la course du titre inter. Bah non mec, trop fort pour être sur le titre intermédiaire. Lui faut l'envoyer au world. Fermé là, il y a le ring général, c'est ça exactement. All your gratitude for the ring general. Ah j'ai baillé pendant son entrée, wow. Mon dieu. Faudrait qu'il fasse l'entrée avec Kaiser qui l'introduit comme ça son style. Ah the prince. C'est bizarre qu'il n'y a pas de titre à frère. C'est bizarre qu'il y a de ses pépitas de fou. Et dans le jeu cette entrée, mais je sais plus comment la trigger. Quoi, l'entrée où Kaiser il fait le speech là? Ta mère. Arrête de mytho mec. C'est plus de ce chanteur qui arrive, non je rigole. Ah c'est marrant ça. J'ai eu deux fois mais je sais pas comment. Oh d'accord. Ah putain, je commence. Je commence les gars, ça pue la merde. Alors on y croit que tu vas gagner. Oh, mais ça va être compliqué. Hein. C'est parti. Encore contre Mysterio, quelle chance, ça va être fou mec. Champion.
freaking Rollins. Là, faut faire attention, il y a du lourd à porter dans le match. Ah ouais, là. Profite encore un peu de la sensation d'être champion parce que ça va pas durer. On est d'accord. On est d'accord. Ça va être compliqué de gagner, hein. Je suis trompé de touche, let's go! Ah, what? Ah putain, ok. Oh, faut que Kaiser soit le premier manager. Ah, ok. Moi, ça m'étonne pas. Pareil logique. Ce serait bête que Rollins se nique le dos pour le prochain PLE possible, hein. Je sais, quand tu vois Braun, tu te dis qu'il faut préparer un discours dans Over à ton titre. Si tu perds, c'est fini pour toi. Tu n'auras pas le titre à Mania vu que Randy Orton va sûrement choisir le titre. On verra bien, hein. Oh, dropkick. Ish, merde. Seulement possible d'éliminer un participant avant que le second arrive. C'est possible, hein, mais faut être chaud, quoi. Ah d'accord, il m'a gardé le même truc, bah d'accord. Chute, le ring général, il rentre. Dès qu'il fait un chute, le ring général a fait une prise. Chute, le ring général vit, il respire, on se tait. Priorité à la respiration du ring général. Oh, oh, je l'ai mis dans les couilles. Je lui ai mis le coup dans les boules. Incroyable. Chute, Kevin Owens a bouffé les boules de Gunther. Arbitre, arbitre, connasse. Oh, bouh, l'arbitre est payé. L'arbitre, cette salope. Pedigree! Oh, Gunther, il s'est relevé là! Wow! Voilà. Putain, j'ai deux finishes, mon dieu! Voilà! Le Gunther, il va perdre son nom, son. Ça, comment ça s'appelle là? Sa révolte? Allez, salut Gunther, ciao. Wouh. Fini. Gunther illuminé. Les gars, chute, il y a le ring général qui quitte le ring. Une minute de silence pour le ring général. Oh, je l'ai victimisé. Gunther se fait torcher, mes frères. Je lui ai torché le derche à Gunther.
Je lui refais la nue. Ah d'accord. Je vais me faire soulever par par Braun Strowman. Vengeance. C'est mérité. Ça va Kevin? Ça va mon pote? Je suis rime minéral et déprime. Non, ça c'est moi, mec. T'inquiète. On va pouvoir enfin en parler. Attendez, attendez. Finn Balor. Fuck. Merde. Oh, il m'a mis un vertical souplex, j'ai pas aimé. Fuck. Dégage. Mais putain. Mais regardez-moi ça. Le mec qui vient pour me casser les couilles, il repart quoi. OMG. OMG, Rey Mysterio, tu saoules. Rey mais curieux, ouais. Oh, je fais éliminer Finn Balor. Mon dieu. Rey Général fait ses courses à Walmart. Rey Général prend son petit déj. Rey Général essaie de dormir. Quoique là c'est réaliste du coup. Tu t'aimes pas qu'on parle quand t'essaies de dormir. Oh tiens, raté ton spé connard. Oh putain. Finn Balor ou Finn Balor, ouais, frère, les deux. Hein. Les deux. Hein. Allez, le Réré. Allez, fais pas chier. Hein. Fais pas chier. Allez, hop, Pedigree. Ça dégage. 1, 2. Ah non, forcément. Chute, René Général a perdu ses clés de voiture. Chute, le Ring Général réfléchi, ouais, bien. Ouais, le Zorak Voss, il réfléchit beaucoup, lui, hein. Je réfléchis. Mon dieu, je suis con. Falconaro. Just like that, he sent crashing to the floor. Punch straight to the face, stays off the attack. Il m'a code breaker. Code breaker. Chute, le Ring Général s'est trompé de Rumble. Chute, le Ring Général s'est trompé de trou. La blague que j'ai pas voulu faire, j'ai... Chut, le Ring Général a mis enceinte une go. J'arrête de gonfler cette phrase. Ah bah Thomas, t'as bien choisi ton moment. Oh, arrêtez, elle était très drôle, elle était bien trouvée en plus. Bon, Rey Mysterio éliminé. Moi je trouve que ma blague était très drôle. Et j'ai envie de dire c'est le principe, puisque tant que je me fais rire... Wow. Finn Balor, il est venu péter la gueule à Braun Strowman. La forme, bah écoute, ça va mieux qu'avant, ouais. Hein. Chut, le Ring Général est en train d'avoir une identité, un problème d'identité. Ah, bon, Finn Balor éliminé, hein, sûr. C'est une blague, non. Oh, merci le jeu. Bah oui, bah bien sûr. Parce qu'évidemment, que Braun Strowman, il est en train de faire son finisher. Et que moi, j'ai dit nique ta mère. Et que j'étais en train de taper le Kevin Owens. Bah oui, il fallait que le truc automatique, il me mette sur Kevin, hein. Elbow puts an end to that. Comme ça, bah oui, on pouvait pas éliminer Finn Balor, lol. Pff.
Bon, je vais défoncer Kevin, hein. Voilà, on défonce le Kevin Owens. T'as rien. Hop, je lui pique son finisher. Let's go. Ah merde, bah non. Listen to this place. It's unreal. The decibel level in here right now is breaking glass. These fans are on fire. T'as filmé, il est en train de revenir sur Braun Strowman là, Casse pas les couilles, Finn. Fais gaffe, mon gars. Tu casses les couilles, je te pète le cul. Counters right into the swift chop block. Finn Balor, tu pètes les couches, t'encule. Merci. Tiens, mais là, ça se passe où? Las Vegas. Chute, Gunther est bloqué aux USA et pourra pas passer à Chamber et Elsa. Exactement. Chute, le ring est derrière, c'est trompé de cible. Le ring général s'est trompé de match. Le ring général s'est trompé de règle. Il croyait qu'il fallait être éliminé en premier pour gagner le titre. Pour repartir plus vite en fait. T'es le premier qui repart à gagner quoi. Je suis même mis un Wong Strong Slam là. Oh, t'es pas Marc Henry mon gars hein. Hello there. Oh, salut Angel, comment tu vas mon gars? C'est plaisir de te voir mec, ça fait trop plaisir. Oh, merci, moi ça va, incroyable. Coucou. Wouh. Nickel, et toi? Bah écoute, on revient de blessures de guerre mon gars. On revient de blessures de guerre et d'autres problèmes. Donc ça va, tranquille. Ça dégage. Et que j'allais dire Kevin Owens est éliminé. Oui bien sûr. Allez oui 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 bien sûr. Kevin Owens. Kevin Owens oui, avec une barbe. Bah si oui il a une barbe. Mais bon t'inquiète. Prie hein. Ça dégage. Ça dégage. Mais putain, Kevin Owens tu m'emmerdes. Va faire tomber au moins un abruti. Oh putain mais qui est con. Qui est con. Regarde moi ce con. Ce con de con. Mais de con de con de con de con. Ce con de con. Oh putain bah oui. Faut que je me fasse contrer aussi. Super, super, super ça. Attends, on va cesser de taper, hein. Allez, tapez-vous dessus, les gars. Parfait, voilà, tape plus dessus. Voilà. Pas lui que j'ai tapé, pas lui que j'ai demandé, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça marche aussi. Allez, chez, vous fait. Ouh, en vrai ça se passe bien pour l'instant. Hey, on est pas trop mal, on est pas trop mal hein. Super Storm. Éliminé. Éliminé. Oh bah non. D'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Fuck. Oh le bruit. OMG le bruit du choc slam. On dirait qu'il m'a mis sur un truc en fer. Ah c'est pas le, c'est un peu le cas mais. La vache le bruit que ça a fait. Oh bah d'accord, il essaie de m'enchaîner derrière. Allez tapez-vous dessus. Oh bah oui, forcément pour moi le finish, la base. Ah non, moi j'ai le genou. D'accord. Tu peux mettre un finisher pour te trouver de te toucher les couilles là. Je crois qu'il a pas. Il a pas envie. C'est pas grave. Eh merde. Bah attends, je peux lui piquer son finish. Attends. Ah bah non, d'accord, j'ai raté. Je suis mauvais. Mais non, mais j'ai déjà piqué le finish de Kevin Owens. Oui. Allez, élimine le Kevin. Ah bah non, dommage. Let's go! Le vol! Le vol! Oui!
Ah, le bâtard. Vas-y, pour Power Sam, Braun Strowman aussi. De fou. Frère, compliqué, hein. Compliqué, compliqué. Get these hands. Putain, quand j'ai regardé SmackDown 2018 là pour Retro Catch, mon dieu, qu'est-ce qu'il était over avec Get These Hands. Ça, c'est mon mania qui se joue là. Ah, il y a mon doigt, il a glissé. La revue de ma mère, mon doigt, il a glissé. C'est chaud. Dommage. Fuck. Strowman is gonna have to readjust. Could have to consider his next move. Questioning what more he must do. Oh, caught him. Uh-oh. Wait a minute. Wait a minute. Pedigree. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, allez. 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 Wesh, depuis quand ça se relève aussi lentement, mon dieu? D'accord. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. On a vraiment réussi à retain. Let's go. Super Sam. Allez. One, two, three. On va manier avec le titre. Let's go. J'ai pas dormi. Je suis dans la merde. Et j'ai tout dégommé. Un mania à fond de Cody, c'est sûr. Oh, arrêtez, c'est bon. Arrêtez, arrêtez. Tu perds un mania. Eh, hey, au moins j'aurais eu le titre à mania, les gars. Et ça, c'est plus important. Que quoi, même en dormant, on peut win. Ah putain, frère. Ah, je vous jure, là, la tête dans le cul, elle arrive de plus en plus. Hein. La tête dans le cul, l'écouteur qui agresse. J'ai tout là. J'ai tout, les gars. Là, je suis pas en position optimale pour pouvoir jouer. Hein. Ça fait une semaine que j'ai pas joué. Je reviens de blessure, comme si j'avais fait les croisés au foot. Donc il y a le temps d'adaptation, vous voyez. Ensuite il y a le temps de reprendre le jeu en main. Ensuite il y a le fait que j'ai pas dormi. Tiens. Il y a le fait qu'Atum King casse les couilles en ce moment aussi. Donc ça fait beaucoup de trucs. Bon, allez, on va affronter le ring général. Gouda. Il est pas content parce que je l'ai éliminé en premier. Donc c'est RP, les gars. Donc il veut sa vengeance parce que je l'ai éliminé en premier du Rumble. Il est en mode, hey, tu m'as éliminé en premier, donc forcément c'est moi qui mérite le titre. Parce que logique sur 20, quoi. La Vinso Brocoli Logic. Évidemment on les appelle comme ça parce que c'est des noms bannis, on n'a pas le droit d'en parler. J'ai battu Dominique, bien joué mec. You have battu Mysterio, le dodo Mistoto. On l'adore, on l'adore, on l'adore. Allez, Gunther, je vais t'apprendre ce que c'est la vie. He is a revolutionary. He is Seth freaking Rollins. Le mec, on voit avec la tête dans le cul qui essaye de faire les chants. OMG. Du coup, le prochain mode univers, ce sera Cody. Vous voterez. Vous aurez qu'à faire un vote, les gars. On va faire un vote. Ici, c'est la démocratie sexe. Il était à Walmart s'acheter un point américain. Ah, let's go. Il a acheté son titre de général dans un paquet de surprises. Votez Brocoli. Non, Brocoli, c'est banni. Faut pas déconner non plus, les gars. J'ai pas envie de me faire ban Twitch ou de me taper une shitstorm. Ça ira encore. Du coup, Angel, on est d'accord, t'as pas pris de billets pour Backlash parce que là ils vont remettre des billets en vente, je crois, ou ils les ont remis, je sais plus. Je crois qu'ils les ont remis. Peut-être que t'as pris pour une journée, je sais pas, ou je sais pas si au final t'y vas. Ça serait cool. Pas de buzz, it's still buzz. Ouais, mais bon, bonjour, je m'appelle Patty Boy in Shape, quoi. Pas envie de faire du bad buzz pour de la merde. À la limite, si je faisais du bad buzz par rapport à un point de vue que j'aurais ou par rapport à une connerie, pas de soucis, mais un bad buzz par rapport à un truc que j'ai même pas choisi. Vraiment la couille, quoi. Brocoli, frère.
Calmez-vous, calmez-vous. Bon, j'ai le seum vu que je commence à avoir un mono-sourcil logique. Je suis portugais, mais je me suis fait plier les sourcils. Et droit est plus long que gauche. Bah écoute, écoute, mec. Alors. Mon petit Angel. Mon petit Angel. Regarde-moi dans les yeux. Les yeux, ils sont là. Hein. Les yeux, ils sont là. Ils sont pas là. Hein. Ça, c'est les cernes. Mon petit Angel. Écoutez. J'ai beau vous apprécier très fortement en tant qu'être humain, monsieur. Vous avez beau être une connaissance très agréable avec qui discuter et très agréable au contact. Et avec qui j'aime bien discuter parce que souvent la discussion c'est intéressante. Certes. N'essayez pas de gangréner mon chat à voter pour cette merde de l'humanité et cette merde de catcheur. Et cette merde de merde, de cette merde, de grosse merde, de merde, de cette merde, de Matt Riddle, s'il vous plaît. Respectez-moi, s'il vous plaît. Sinon, je ne vais pas être content. Et là, j'ai pas d'argument. Voilà. J'espère que le message est passé. Ça devait pas être impressionnant avec les yeux qui tombent, la tête dans le cul. Il dit quoi, lui? Il veut dire quoi? Il ne comprend rien. Allez, pédagogue dans ta sœur, là, le petit Gunther. Non, ça passe, ça passe. T'es juste Kayden Carter. Oh non, arrêtez. On a dit qu'on faisait pas les femmes avant le 24, parce que c'était niqué. Real talk, je l'aime bien me dire. Oh. J'aime pas. L'attitude, j'aime pas. Le mec, il est booké, le mec il vient à peine d'arriver, il râlait parce que techniquement dans la vraie vie il pouvait ken tout le monde parce que c'était un mec de MMA donc il se disait meilleur que tout le monde. Le mec, bon il a quand même été condamné à de la violence conjugale, ce qui est pas ouf. Et en plus ouais je sais pas, il avait une nonchalance, il me pétait les boules. Ah tu parles de Kenan Carter? Ah oui non elle est cool. Ah non, Kenan Carter elle est cool, ça va. Mais non c'est... Putain, tu m'as fait peur, Angel. J'étais en mode depuis quand t'aimes bien l'autre con là. Incroyable. My bad, je sais plus lire mon chat. J'ai plus l'habitude, les gars. Ça fait une semaine. Le streamer, je vous ai dit, hein, une semaine en fait. Vous aviez cru que j'avais dit une semaine, c'était beaucoup pour le streamer. Mais c'est pas par rapport à Twitch, ça c'est par rapport au streamer qui sait même plus comment on stream derrière. Ça fait une semaine, moi je suis. Je sais plus comment on fait, hein. Bon, Gunther, faut se relever, hein, parce que bon, t'as commencé. Peut-être me taire en fait, hein, parce que j'ouvre ma gueule et je me fais niquer, quoi. Allez hop, dans ta sœur. C'est fini. Au revoir, Gunther. Bah ouais, mais Gunther, je suis désolé, quoi, parce que t'es mauvais, je suis trop fort. Voilà, quoi. Voilà. Alors ça s'appelle dans le métier le karma de la confiance. Le karma de la prise de confiance. 1, 2. Bah écoutez, monsieur Gunther, c'est ce qui s'appelle avoir la flemme. Wouah. Ah ouais, là c'était bah écoutez, pourquoi pas. Non, il veut plus à Walmart, il va à l'hosto, let's go. Alors normalement, soit on est booké là, soit on est... Non, on est booké là. Contre le Réré, Mimi, Stété, Ryoyo. Let's fucking go. On va raffronter tous les mecs du Chamber en fait. Hein. Rey Mysterio, c'est moi qui l'ai éliminé?
Je sais plus. Non, Ray, il avait été éliminé par Braun, je crois. Par Braun. Genre les rasoirs Braun. Let's go. Ouh, raté. Alors moi je peux vous dire les gars, on l'aura day one, hein, tout cas de mon côté, on a précommandé la version gros pigeon. La version nique sa mère. Donc les gars, vous êtes sûr, il y aura du 2K day one. Ça va être insane. Il y aura de la dingro. On verra toutes les nouvelles animations, les nouvelles entrées, vos trucs badass. Ça va être chaud bien. Oh, évidemment il y aura des un challenge aussi parce que voilà quoi. I expect he'll lean on that against Rollins. Woo! Bah d'accord. Il y a eu un petit, c'est même pas un reversal là, il y a eu un petit TP là. Oh le leg drop! T'es beau sûr. Et un deuxième, Hulk Hogan, bonjour! D'ailleurs moi j'attends que ça Angel, qu'on se la mette sur le 24 hein. Sur le 24, j'espère que tu vas t'entraîner mon gars, hein, parce qu'un jour on va s'affronter, je vais te la remettre. Hein. Ça va être incroyable ça. On va se battre, on va savoir qui est plus fort. Surtout mec, attends, surtout Angel, n'oublie pas. Hein. Mais après, de toute façon tu le sais, mais en mars, il y a la bêta qui sort mon gars. Il y a la bêta de Inazuma. Et quand je vais avoir torché 48 000 heures sur la bêta d'Inazuma, et que tu vas vouloir m'affronter, parce que tu vas vouloir gonfler ton ego, gonfler tes niveaux... Et je vais t'apprendre ce qu'est le doux goût amer de la défaite. Le doux goût amer de la tristesse. Le doux goût amer de se faire défoncer par Gabi Garcia, la goat d'Inazuma Eleven. Tu es pas prêt. Tu es pas prêt. Tu es pas prêt. 24, je l'aurai le 11. Ça va être encore... Ouais, frérot, ça va, mars, les gars. Dans tous les cas, il reste moins d'un mois. Au calme. Je vais apprendre aux gens ce qu'est le respect. C'est vrai que vous, tu fais le poète. Bah, les gars, logique, hein, toujours. De toute façon, vous savez, hein, mais quand j'ai pas dormi, moi, c'est je raconte que de la merde. German. Ouh, qu'est-ce que t'as fait comme glissade là mon petit Ré? C'était bizarre. Hein. Il a fait une glissade chelou. De type bizarre. De type c'est pas normalement ce que tu fais. Ouais, hier j'étais tellement pas bien que j'ai dormi toute l'après-midi. Bah moi hier j'étais tellement pas bien que je me suis engueulé avec mon meilleur pote, j'ai me suis réveillé avec un rêve où j'étais où je côtoyais mon ex, où j'étais tellement pas bien que j'ai pas dormi et que j'ai vu que des TikTok sur t'inquiète ta vie elle va aller mieux. Génial hein. Ça c'est génial quand tu commences ta journée. Tu fais des rêves de ton ex, c'est pas pourquoi, t'es en mode nique ta mère. Et après t'as ton meilleur pote qui te casse les couilles pendant toute la journée. Bah pas pendant toute la journée mais qui te casse les couilles tout court. Ça c'est franchement j'adore. Franchement ça fait bander les journées comme ça là. Bonne journée dépressive là. C'est de la merde. Tellement pas bien que Eris et Most. Après t'as quand même un du bol entre guillemets Brian, c'est que entre guillemets la raison de la rupture c'est juste c'est une pute, voilà hein, ça y a pas de juste tu sais c'est point barre et on va dire il y avait pas trop longtemps tu vois. Moi bon voilà on va pas refaire le dossier mais 6 mois de relation pour se terminer sur un rien à voir mais tu vas jouer à la bêta de Victory Road. Mais excuse-moi Angel, mais t'es en train de... Alors, Angel, mon cher ami,
Oui, donc je voulais dire, Brian, tu vois, 6 mois de relation pour se faire larguer par un texto en mode t'es mon mec, t'es trop gentil. Bon, voilà. Angel. Est-ce que. C'est important, il faut que tu me répondes. Est-ce que tu es en train de te LeBron James pendant le stream? Ou peut-être que tu es en train de faire autre chose pendant ce stream? Mais quand littéralement, pendant 5 minutes, je te dis que je vais te violer le cul sur Victory Road et qu'il va falloir préparer ton anus à coup de huile pour que ça passe mieux, ça veut implicitement dire que je vais jouer à Victory Road. Parce que je ne peux pas te défoncer le trou du cul si je ne joue pas. Je sais pas si tu vois le rapport, mais je pense que ça passe. Ah, t'étais allé chier. Bah tu vois, t'avais déjà préparé ton anus. Parfait. Gotta respect the strategy to work over the arm. And whatever is Rollins' game plan didn't quite pan out for him. Salut Toto les gammes, comment tu vas mec? Attendez. Parce qu'il y a mon réveil là, il est en train de me casser les couilles là. T'as gueule le réveil là. Avec You Feel My Heart là. Donc voilà. Donc oui, évidemment, je joue à Victory Road. Évidemment, ça va être le jeu que je vais penser le plus. Ça va et toi? Bah tranquille. Tranquille. Mais donc je disais oui, mais Brian, du coup, non, le truc, ce qu'il faut que tu dises, c'est que déjà de base, t'as rien à voir là-dedans, c'est que elle. Hein? T'as le bonjour de Morgui. Oh, salut Morgui! Comment tu vas, Morgui? J'espère que tu vas bien! Ça fait plaisir! Merci Morgui! La Morghito! La Morghita, la Morghito! Ça fait zizir! Ça fait zizir! Moi, j'espère que vous allez bien et que vous, au moins, le perfect couple of Twitch, il va bien. Parce que bon, nous ici, c'est le Discord des dépressifs amoureux. Mais du coup, Brian, oui, je disais, après, le truc, c'est que c'est une connasse. Hein, parce que bon, t'inquiète, je m'y connais. Et que tranquille, ça va, t'as pas eu le temps de t'attacher. Et voilà, tu vois, voilà, j'ai pas envie de faire la victime ou le casse-couille, mais tu vois, voilà. Moi, c'est 6 mois qui se terminent sur un t'es trop gentil par SMS. Donc tu tapes le t'es trop gentil, 6 mois de relation et le SMS, tu vois, c'est même pas largué en vrai, c'est largué en SMS. Toi, ça va, une semaine, bon, t'as eu le temps de t'attacher, mais pas. Tu vois. Limite, vaut mieux que ça arrête maintenant plutôt que dans un mois, tu vois. Sinon, c'est le bordel. T'as dans le cul. Mais... Parce que franchement, je te le dis, hein, mais quand t'es comme moi et que tu t'es tapé 6 mois avec une meuf, et qu'il y a encore un jour où t'avais ton problème à l'oreille, que tu t'es engueulé avec ton meilleur pote, que t'en as ras le cul de tout, et que tu te lèves avec un rêve où tu rêves de ton ex, tu sais même pas pourquoi, que ton cerveau est en mode pas de l'ex. Ah, t'es dans ta tête, t'es en mode eh, j'ai oublié, c'est terminé. Eh, m'en bats les couilles. Et le cerveau il est en mode eh, fils de pute. Eh, t'as cru t'aller. Eh, ben non, eh. Le cœur là, il va te réveiller là-dedans, comme ça, là-dedans. Gros fuck à mon cerveau, bordel. Tiens, mon cerveau qui fait eh, tiens, tu penses à ton ex, parce que j'ai envie. Eh là, la merde. Alors, on sent que ça fait encore mal. Non, sans déconner, mec! Ça fait pas du tout mal! Je veux bien, ok! Je veux bien! Ah, bordel! Non, en vrai, je rigole, mais non, en vrai, non, c'était chiant! Non, en vrai, c'est pas dérangeant, et même de toute façon, en soi, j'ai fini avec ça, je tourne la page, mais. C'est vrai que oui, quand tu te lèves, t'as une journée de merde et qu'en général, ça va pas dans les quelques jours qui vont avant et que tu sais pas pourquoi ton cerveau te décide de ramener ton ex dans l'équation, t'es en mode c'est sans déconner. On peut pas me laisser 3 secondes sans qu'on me foute la paix, bordel. Et après, y'a ton pote qui te fait la gueule et qui te dit que t'es qu'une merde, qui passe sa vie à streamer, qui a aucun projet dans sa vie. Donc voilà, tu vois, t'as cet enchaînement, tu vois. T'as l'enchaînement où t'as ton meilleur pote qui t'insulte, t'as ton cerveau qui pense à ton ex, t'as ton oreille gauche qui est en train de crever, t'as ton PC qui te fait chier. Tu vois, t'as.
T'es en train de... Tu penses à ton avenir, t'es en mode est-ce que j'ai bien fait de prendre le strip? T'as tout ça? Et voilà. J'avais pu réfléchir. C'est pas ouf quoi. C'est vrai que quand t'as que tes potes entre guillemets pour te soutenir et que ton pote il t'envoie ouais mec tu branles rien de tes journées à part faire des streams donc c'est rien. T'es en mode bon. Merci poto, ça fait plaisir. Quelqu'un amène de la crème glacée à cet homme, putain de fou. Oh, putain, mais oui! J'aurais dû acheter un pot de glace pour comater devant la télé. Oh, c'est incroyable. On a connu ça aussi. Morky. Tu as rencontré le Angel Absol. Et tu sais pourquoi il s'appelle Angel Absol? En fait, il te l'a pas dit. Tu sais, en fait, il faut que je t'apprenne un truc, Morky. Le mec, s'est pas appelé Angel Absol par rapport à un Pokémon. Il s'est appelé Angel Absol parce que c'est l'ange absolu. L'ange qui t'aime absolument. L'absolu goth des petits copains, tu vois. C'est le El Goto. Le absolute El Goto des mecs. Tu vois, nous, on est tous en bas. Et t'as Angel, il est... Tu vois, il est... Il est là-haut. Il est dans les cieux. C'est l'ange absolu, frère. On peut rien faire. Nous, on a que nos yeux pour pleurer. On est en mode... Ou ça marche pas, tu vois. Marche pas. Après, il y a aussi le délire que bon, j'ai eu des faux espoirs avec un pote qui devait me présenter quelqu'un. Mais malheureusement, ce pote en plus, il a eu des soucis, on va dire, sur la route. Ce qui fait que monsieur est à l'hôpital. Donc, déjà, ça me fout un peu le seum parce que c'était une personne que j'apprécie beaucoup qui est à l'hôpital. Et qu'en plus, du coup, une pierre de couille, comme on dit dans le métier, bah, du coup, j'ai pas le numéro de l'ago. Donc, et je peux pas rencontrer l'ago, et t'as un de mes potes qui est à l'hosto, donc... Let's go. Suce ton gros rep. Ça casse les couilles. Voici une poêle, passe derrière et tape fort. Ah putain. Let's go, hein. Et du coup, c'est mon nom, voilà. Évidemment, je ne perdrai pas d'objectif. Mon rêve ultime... Être en couple. Ça fait un peu pitié quand même comme rêve. Hein. Bonjour tout le monde, mon rêve ultime, être en couple. Tu veux venir en vacances à la maison? Oula. Ben non, je pas... Non. Jamais. J'ai pas envie de péter le petit nid d'amour là qui est en Belgique là. Minute de silence. Pour c'est quoi son pseudo déjà au mec qui allait donner le lium à Ertios. Une petite minute de silence pour mon cher Ertios qui est actuellement à l'hôpital qui se bat. Gros BG. Ça va, Mathias vient pendant 2 semaines en mars. non, t'inquiète pas, ça ira. J'ai déjà affronté un. Hein. J'ai envie de dire, en fait ça fait un peu les mots dépressifs de dire ça, mais bon, j'ai envie de dire, j'ai tellement eu de la merde déjà qui sont arrivés dans ma vie et j'étais tout le temps tout seul pour les choper. Je suis plus à ça près. Hein. Je suis plus du tout à ça près. Ça va Pascal, comment tu vas mon cher Pascal? Comment il va le daron là? T'inquiète poton, tout tient fort. Ça fait plaisir. Bon, hein. On n'y croit plus beaucoup. on n'y croit plus. La croyance est en train de décéder. Et je parle pas de Day. Qu'est-ce que je suis marrant. J'ai envie de mourir. Allez, on va peut-être jouer un petit peu quand même. Parce que là, le Edge, il casse les couilles. J'ai mal à savoir qui sont des meufs et des mecs dans ce chat. Alors, réfléchis juste, Morgy, meuf, le reste, mec. Voilà. Morgy, c'est une des seules meufs que j'ai dans ma communauté, donc... Ça va et toi? Bah, tranquille, Pascal. Hein. Et toi, mon Pascal, mon cher Pascal. Mon casse-poilette, comment ça gaze? J'allais faire une blague, mais elle est vraiment tellement pas politiquement correcte que je veux pas la faire. Parce que j'ai pas envie de me faire... J'ai pas envie de me faire ban Twitch. Donc on va s'arrêter à ça gaze. Et on n'ira pas plus loin. Ce serait pas ouf.
Nous, on a un pote, on a voulu lui dire ce qu'on pensait de notre amitié, qu'on se sentait mis de côté, etc. Il a retourné la situation pour nous faire comprendre qu'on est des merdes, et nous insulter les potes de merde qu'on est. Courage. Courage, mais Morgi, tu as un avantage. You have a man that can apple you. This is the best. On envoie chier les potes, tout pour le couple, évidemment. Et Bebou Angel, exactement. Et le Bebou Angel, c'est le Bebou Goat. I am la seule meuf ici, mais je le vis bien. Pourquoi? Parce que tu le vaux bien. Le Real, parce que je le vaux bien. Ah, mais le Men, il était dans la même situation aussi dure, aussi. Ouais, mais t'as réussi à aller plus loin, tu vois, mec. T'as eu la situation, mais elle est terminée, mec. Maintenant, t'as que les beaux jours devant toi. T'es avec ta meuf et tu vis avec elle. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars? Tu coches littéralement tout ce que j'aimerais être chez un mec. C'est drôle, hein. T'as la meuf, tu vis avec la meuf et t'as une commu Twitch plus grosse que moi. Est-ce qu'on peut échanger de vie, mec? On est ras-tu, moi. Là, j'ai terminé mon channel, Bobby Lashley. Nice. Je retourne au taf. Mon vote sera pour Jimmy Uso. Ok, Nichan, pas plus et pas de si. Taf bien, mec. Parce que les mecs sont plus cool que les meufs. Oui, tout est relatif. Je mets du temps quand même. Frérot. Angel, tu as quel âge, mon cher ami? Tu as quel âge? 22. Attends, t'es en train de me dire, Angel, que t'es plus jeune que moi? Le mec, il est plus jeune que moi? Comment ça? Ah ouais? Triste vie, mec! Il y a 22, j'en ai 21. On est déjà casé. C'était noir dans la semaine dernière. Putain. C'est beau. J'en ai 23. J'ai eu une relation. C'était de la merde. Et je me suis fait larguer par texto. Let's go! Quel plaisir! Donc tu vois, tu dis, il y a le temps. Moi, j'ai pris du temps. Mais mec, j'ai un an de plus que toi, mon frère! Moi, je sais pas, j'intéresse pas les meufs. J'en ai 24. Mes seules relations, j'ai l'impression d'avoir été le connard. Non, c'est elles t'ont donné l'impression que t'étais le connard. Nuance. Zorak, on a connu ça aussi avant de trouver la perle rare. Le problème, c'est qu'il faut la trouver et que les perles rares, ça n'existe plus. Les femmes bien, ça n'existe plus. Ou alors très peu, évidemment, parce que je ne veux pas te catégoriser dans une meuf pas bien, Morgan, évidemment. Tu es une personne agréable et sympathique. Mais ouais, compliqué. Tu vas me péter la gueule, Morgan. j'ai dit, je ne te mets pas dans le lot, Morgan. Me tape pas, s'il te plaît. Faire casser la gueule. Bon, ouais, je ne faut pas casser les couilles, merci. Oh, ça n'existe plus. Moi je dirais quoi, célibataire à 40 ans? Mais tu as déjà eu quelqu'un, mon cher Pascal. Oh, j'ai esquivé la spire. Incroyable. Je vais te laver ta gueule, poteau. Mathieu Angel, tu es 23. Bon, il m'a laissé gagner, mais bref. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, hein. Oh, tu me casses les couilles, mon cher Adam Copeland. Je vais te prendre, je vais te bouffer le cul. Eh, au pire, Morgi, t'as pas une pote à me présenter? Mec, il veut jouer les relations. Et on dit toujours ça, faut penser aux potes des potes. J'essaie de me prendre plus grande dans la tête. Ouais, t'as raison. Ouais, bon, c'est souvent foutu de moi. Ouais, c'est ça qui arrive, hein, Pascal. T'inquiète, on est là, hein.
T'inquiète Pascal. Alors le Morgui, il veut tout dire ce alors. Le alors, t'es bien gentil, mais j'ai pas de proposition à te faire. Ou alors, désolé mais ça est en Belgique. On connaît le alors. Et sortir avec la plupart de mes potes. Ah pas mal. On a gagné quand même, c'est pas mal. Ok, y a plus personne. Pas mal. Moi je me fais friendzone par les meufs, c'est marrant ça. Ah c'est cool ça. Je me fais friendzone ou j'intéresse pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai... Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression d'être quand même quelqu'un d'intéressant. J'ai la discussion, je suis marrant, je suis plutôt beau gosse. Je passe sur moitié avant ce rocher. Oh putain. Ah, fait me casser la gueule. Ah oh, ouais, les fumes de Morgui, c'est nique ta mère. Ah, j'ai pris tout le monde. Eh, y avait. J'ai tiré sur tout ce qui bouge. J'ai testé tous les produits avant de faire mon choix. Y avait, j'ai goûté. Ah, j'ai. Il y avait des, c'est comme tu sais à la foire à la puériculture là, ou le tu sais le salon de l'automobile ou le salon de l'agriculture. J'ai tout mangé et j'ai pris celui qui était meilleur après. J'ai rangé celui qui alors là c'était Deutsche Qualität. J'ai testé toutes les bagnoles d'abord, j'ai essayé de conduire. Il y en avait, elles se maniaient pas très bien. Il y en avait, j'avais du mal avec la boîte de vitesse et à tourner le truc là, le manche était trop petit, trop gros, j'en sais rien. Et il y a un moment, voilà, j'ai vu Angel, la grippe était bonne, la taille était bonne et elle avait une belle gueule, la carrosserie était pas trop défoncée, c'était pas trop cher, j'ai passé le frein à main quoi, j'ai passé la seconde. Et après voilà, c'est l'autoroute du bonheur quoi, voilà c'est... Oh, j'en sais rien, je sais pas, t'as fait du bowling, t'as mis les doigts dans les trous, t'as vu que Angèle ça passait mieux, t'as dégommé les quilles. Voilà, tu le vois comme ça, bah voilà, je te le donne. Voilà, voilà, t'as mis les boules dans les trous, ou les trous dans les boules, ou les doigts dans les trous de la boule, et t'as dégommé les quilles, voilà. Oh, merde. Mais me lancez pas dans les gars, j'ai pas dormi, moi. C'est quand même pour venir avec un mec quand même. Ah putain. Je suis mort. Je respire plus, je chiale. Ah merde. Putain, arrête, je vais me faire casser la gueule par. Si je fais chialer une meuf, je vais me faire casser. Me casse pas la gueule, Angel. Elle chiale de rire. Elle chiale de rire. Mais. J'ai mal aux abdos. T'as mal aux abdales, ok. Elle a mal aux abdales. Par contre, Angel, il y a un problème, mec. Si elle a testé plein de meufs et qu'elle t'a choisi toi, le mec, est-ce que c'est pas parce qu'en fait, derrière, t'aurais pas un côté féminin qui t'attire chez elle? Ou qui l'attire chez toi? Est-ce qu'au final, elle pense pas que tu te sens femme au fond, tu vois? Est-ce qu'il y a pas un truc du genre? On sait jamais, hein? On sait jamais, hein? Ça se trouve, elle pense... que tu te sens femme, ou alors elle va t'imposer à te sentir femme. Eh, on sait pas comment ça peut se passer maintenant, hein, Noah Jays. Il a les cheveux longs, en fermant les yeux, ça passe. Il a les cheveux longs, donc je me suis dit je peux le tirer par les cheveux, ça change pas avec les autres meufs. Donc en vrai, ça passe. Et en vrai, bon, c'est un mec, mais il a un trou, donc ça passe aussi. Ça change pas trop. Ça change pas. Il y a juste un trou en moins et je peux quand même lui tirer les cheveux. Ça passe. Surtout que techniquement, quand tu le regardes par derrière, c'est la même chose. C'est horrible. C'est horrible. À quoi je pense, bordel. Oh, mon dieu. PDA en roulis. Mais les gars, mais je...
On a fait 6 heures de stream, j'ai pas dormi depuis avant-hier soir. Donc là, ça fait 24 heures, j'ai pas pioncé ma grosse daronne. Et vous me balancez sur des sujets de cul. Vous vous attendiez à quoi? Les cheveux plus longs que mes ex. Oh putain. Mais c'est BG, ça fait surfeur. Angel surfeur. Angel Subway surfeur. Laisse mon trou tranquille. Écoute, c'est pas moi qui ai mis les doigts dans des boules, hein. Donc après, je sais pas, hein, Morguide, ce qu'elle nous dit, elle a un bon doigté, hein. Moi j'en sais rien, hein. Pas moi qui décide, hein, c'est elle, hein. Fait ce qu'elle, c'est entre vous, hein. Moi c'est pas moi qui, moi je dis rien. Hein. Il dit ça, moi. Bah avec tes ex, t'avais l'habitude, voilà. Oh, j'en sais rien. On parlait de boules tout à l'heure et t'avais l'air de dire que tu t'y connaissais un petit peu. Parce que quand j'ai parlé de bowling, ça t'a fait rire. Donc pour moi, si ça te fait rire, c'est qu'il y a. Que je sais à comprendre. Absolument. On va arrêter là, on va partir en couille. J'arrive plus à lire, je suis pépé là. Les oreilles, comment tu vas? Bah, ça va, Game Marriott? Vous prêtez les cheveux. Ou Angel Brice Denis surfeur, ça va plus vite. Ah, c'est pas faux. Ou ce boss surfeur, ça marche aussi. Tu materas ta rediff, chef, tu verras. Ah, frère. La rediff, je la remate pas. Là, ça passait sur YouTube, là. Skyrock, hein. Ah, vous m'avez cassé. Après, j'ai envie de dire, hein, vaut mieux rire que pleurer. Hein. Ou limite pleurer de rire, ça c'est bien, mais. Ça change les idéales. Let's go. C'est le casse de Bryce, exactement. Allez hop, tu dégages mon petit Edge. Par contre Edge, tu me saoules là, je t'affronte tout le temps là. Oh là là. Oh le relou. Casse pas les couilles là. Je préfère encore quand on parlait de boules, hein. Au moins ça changeait les idées, hein. Casse pas les burnes toi, hein. C'est toi, je vais péter les boules. Voilà, allez hop. C'est quoi le colis derrière? C'est le colis du Bob. Du Bob Lennon avec la toge et tout le bordel. Sur ce, je dois. Je retourne, je dois percer les 5 Royal. XD ravi d'avoir foutu le bordel ici. Merci d'être passé, Morguide, ça fait plaisir. Bon courage pour tes prochains lives. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur sa chaîne. Hein. Super streameuse comme d'habitude. Et pareil pour Angel. Hein. Un duo de streamers de qualitat. De Belgique qualitat. Ça mérite plus de viewers, moi je dis. Hein. Faut voir ce soir, bien joué. Ah, moi je joue pas trop à Overwatch, je vous avoue. Overwatch 1, je l'ai poncé, le 2. Compliqué. Alors, c'est un colis qui s'appelle Bob et c'est une éponge. C'est marrant ça. Mais bien joué, j'ai dit. Ah, bah d'accord. D'accord, je vais me faire maltraiter. Let's go. Mais c'est bon là, c'est Edge, t'as fini de me casser les boules là. Wow. Mais sinon le droit au choix et... C'était pas à compter combien de fois il a dit le mot boule dans le live. Oh bah écoute. Qu'est-ce sur Twitch? Donc qu'est-ce qui est sur Twitch, les boules? Où sa chaîne? Sa chaîne sur Twitch, oui. Pareil pour Angel, c'est ces deux streamers de qualitat, de grande qualitat. Oh, allez, je l'ai niqué, tiens. Les boules aussi. Comment ça, tes boules, Angel? J'ai pas touché à tes boules. Qui a touché à tes boules? Qui a touché à tes boules, Angel? Dis-moi, je vais mener l'enquête. Hercule Poirot va mener enquête. Qui a touché à tes boules? Morgui, ah. Alors. Angel. Je crois que c'est normal. Je crois qu'il n'y a pas d'affaire là-dedans, mon gars. Ça sert à rien de m'appeler. Je crois, hein. Je suis pas sûr, hein. Mais je pense que ça doit être normal. Je pense. Je suis pas sûr. Bon, par contre, Edge, je t'aime bien, mais tu m'emmerdes là. Hein. Voilà, merci. Tu vas enfin te le prendre, ton. Voilà. T'as sens ce stream quand même, frère.
Eh, ça fait une semaine que j'ai pas, donc allez, je lurk tant que le stream est gérable. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est votre... Ah, mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Merci. Ça fait plaisir, ça fait rire, au moins on rigole, on s'amuse. C'est mieux que voilà. Passez une bonne journée, Morgui. Si vous acceptez un vétéran. Les vétérans à la guerre. Tous mes petits potes, soyez sages, j'ai un deuxième écran. Elle est prête à casser des gueules. Oh fuck. Il va faire un break. Ah, même pas. Incroyable, incroyable, monsieur Potbeur. C'est pas ma guerre, général. Le streamer be like, wouhou. Exactement. C'est pas ma guerre. Mais si je suis américain, c'est ma guerre. Oh non, alors je suis désolé. Hein. D'habitude je fais pas, mais Edge, tu m'emmerdes. Hein. Pas me casser les couilles. Hein. Si c'est toi que j'affronte jusqu'à Mania, suce ton père. Hein. M'emmerde, hein. Ouais, donc c'est Randy Orton à choisir. Hein. Allez, avant-dernier match. Le Raw to WrestleMania. Le Raw before WrestleMania. Oh, Brian qui a battu Damien Priest. Allez, c'est Fraquinge Rollinge contre Randy Orton. Be like Yu-Gi-Oh, Randy Orton. Randy Cartoon, elle est pas mal celle-là. Randy Cartoon, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Moi j'aime bien la blague, elle est pas mal. Randy Moutoun. Randy Doudoun. Randy Hatchoum. Non, ça marche pas. Randy Rocket Raccoon. Je sais pas. Randy Doudoun. Je l'ai dit Randy Doudoun déjà? Je sais plus. Ok, Alzheimer d'il y a 3 secondes. J'espère que pour le 2K24, ils vont enlever leur système de Telstar dans telle catégorie de titres. Oui, on est d'accord, c'est de la merde. C'était tellement mieux avant. J'ai l'impression d'être un vieux déjà. Ouais, c'était mieux avant. Ah, je l'avais déjà Randy Doudoun, merde. Randy Moumoun. Parce que c'est la daronne, tu vois, la Moumoun. Randy, qui ça peut être d'autre? Randy Loukoum. Randy Carcassoum. Non, ça marche pas. Randy le vrai Toum, non, ça marche pas non plus. Randy en Kouloum, Randy. Bon, je sais pas, Randy Cartoon, mais non, on l'a déjà dit, Randy Cartoon. Fun enfin, quand même. Ah ouais, frère, je suis vieux, les gars, je suis vieux. Presque aussi vieux que Pascal. Après, Pascal, lui, il a 1000 ans aussi. Il peut pas être plus vieux que Pascal, le mec, il est né. Le mec, il est né avant Jésus. Il est né avant le premier homme né. Mec, il est né avant les dinosaures. Pascal, il est trop fort.
sports entertainment rivalries. Putain, il a contré le finish. Le finish, ouais, bien. On parle très bien la France, moi. Non, ah, Randy Carton, ouais. Randy Orton. Ah. Randy Le Ton aussi, hein. Randy Le Ton, c'est classique, mais ça fait le taf. Hein. Randy Mouton, Randy Chaton. Randy Maton. Randy Photo Maton. Randy Le Con, ouais, ça marche. Randy Bourbon. Randy Maton, salut to Calls. Randy, oh là, j'en ai plus là. Ah, oh, j'avais piqué son finish, le bâtard. J'allais RKO le Randy. Randy Bouffon, on l'avait pas fait celui-là. C'est pas mal, hein, j'aime bien. Après, respect pour Randy Orton, hein, mais bon, calme. Hein. Allez, ramène-toi. Sigblade. Randy Masson, pas mal. Randy Masson, comme ça, c'est une ref à Brian. Allez, hop, chacun son tour, ça rate le RKO. Et le stop! Là c'était Randy Doublon là. Là c'était Randy Doublon. Ah, what the fuck? Oh my god! Ah, c'était fou! C'était fou! Randy à Flelou, incroyable! Randy Doublon, hein, vraiment, c'est incroyable, Randy Doublon. Hein. Trop marrant ce bug! J'adore, je like! Une fois que c'est pas une erreur due à la fatigue. Ah, frère! Frérot! Peut-être que c'est moi qui influence le jeu, c'est peut-être moi qui fatigue le jeu, les gars. Possible. Je tourne. Boum, c'est terminé. Allez, super stomp. Voilà, ouais, on a gagné. Salut Pascal, tu pars juste avant le dernier match. Quel fou. Salut Medio, quel plaisir de te revoir sur le stream. Comment vas-tu, très cher ami? Bienvenue. Ça fait longtemps. 3 des finishers, en tout cas 24. Ouais, les super finishers. Quoi? On a gagné, on est trop fort. Alors, Carmela. Ok. Je rêve où le titre Undisputed, il est pas booké, les gars. Il est pas booké. Putain, Roman Reigns, il est pas booké, c'est trop RP. Même à Mania, il est pas booké, Roman Reigns, incroyable. Bon, est-ce que Carmella récupère le titre? C'est tout ce qu'on veut savoir. Oui, Carmella. Carmella is money. Incroyable. Wesh, la trousse, il a battu Edge à Mania. What the fuck? What the fuck? Air trousse a battu Edge. Il est bien tombé bas, le Edge. Allez, bien Carmella! Parti pour le dernier match du 1 an challenge, Seth freaking Rollins! C'est
C'est parti. Y'a pas de match, mais normal, mec. Qu'est-ce qu'il y a, Angel? Vas-y. Fais-nous part. Oh, je sais. Qu'est-ce que tu sais, mec? Tu connais la réponse à la vie, mec? C'est comment mater du foot en streaming? Un nom de challenge, Baron Corbin. Alors. Petit Angel. C'est déjà prévu. J'attends juste Touquet 24 pour avoir les bonnes musiques. J'attends juste Touquet 24 pour pouvoir avoir les bonnes musiques, mon gars. Et la bonne entrée, mais le Corbin, évidemment que le Baron, le Caillou, il va avoir une entrée, mon gars. C'est un de mes goats, le Caillou. Le Caillou qui est champion, le tag team NXT, let's go! Le Caillou qui est titré pour la première fois depuis plus de 6 ans, let's go! J'ai bandé ce matin quand j'ai vu ça. C'est bien la bonne, seule bonne nouvelle qu'il y a eu dans ma putain de journée de merde. Le Caillou qui a gagné un titre. Ouais non, le Finn Balor, démon. Oh. Allez, l'entrée du architecte, du visionary. I am a revolutionary. I am Seth Rocket Rollins. Et moi je suis fatigué. Oh le chat, y'a Angel, il vient de m'envoyer une propale en MP là. Randy Bougnoul. Elle est validée. C'est marrant. Évidemment, Twitch ne me bannait pas. C'est de l'humour. Évidemment, je trouve ça très drôle. Évidemment, on ne stigmatise pas. C'est en rigolant de ces choses-là qu'on fait justement qu'elles ne deviennent pas exceptionnelles et que du coup, ça ne soit pas insultant. Oh, c'est. Oh, moi, je trouve ça gaulerie quand même. C'est gaulerie. Dans le terme rigolo, évidemment, pas dans le terme insultant. Parce que insulter les gens, c'est pas bien. Allez, vas-y, mon petit Randy. J'aime Orton, MDR. Orton, il est très très bon. Très très bon catcher. On l'adore, Orton. Randy Orton. Oh putain, oh là là, ma voix elle a déraillé. Let's go. Ma voix elle a roulé sur les jantes. Us. Oh là, raté. J'ai une autre vanne. Ah, qu'est-ce que c'est, Zero Geek? Vas-y. Fais-nous rêver. Fuck. Et best press. Quoi avec le Go Titus pour l'un en challenge? Oh, le fameux Go Titus pour ceux qui ont connu la carrière sur 2K22. Le mode histoire de 2K22, là. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent être dans ce chat qui ont l'ont connu. Randy Marathon Marathon. I think this match still has a ways to go. Viper has him hooked. Exploder suplex. Je suis sans voix devant un tel niveau de nullité blaguistique, c'est incroyable. C'est marrant, hein, ouais. Oh là là, je veux. Ah, c'était nul. Salut Aurélien, comment tu vas?
Ta gueule, il joue. Ah bah d'accord, merci. Bah je vais fermer ma gueule et je joue alors. Parce qu'évidemment, je suis une victime, aucune personnalité, donc j'obéis. Et allez, toi, bah tranquille, tranquille. Tranquille. Moi, j'ai fait effort d'en faire une, c'est vrai. Ouais, t'aurais pu faire l'effort de ne pas la faire aussi pour nous épargner ça. Ça aurait pu être mieux, peut-être. Ah, je suis la reine des salopes, j'adore ça. Seulement deux, dommage. Il y avait un truc à y chercher, je pense. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, Angel. Mais en vrai, il y a un truc que j'ai trop kiffé là dans les infos qu'ils ont tourné par rapport à Victory Road. Je sais pas si t'es au courant. Va y avoir un mode spectateur dans les parties online. Donc si on a envie de faire des tournois ou des trucs comme ça, ou genre bah t'as envie de hoster techniquement un tournoi, par exemple en live ou un truc comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour choper la POV des joueurs. Et ça, en vrai, ça fait bruit ça. Ah mais mon gars, frère, on va en faire. Frère, si tu cherches un co-host, ou même si moi j'en cherche un, vas-y, on se co-host, mec. Franchement, je veux bien être ton commentateur suppléant pour un tournoi. Hein. Ça peut être dinguerie. Hein. Franchement, on va faire une de ces conneries et on va raconter de la merde, ça va être génial. Il y aura un truc spectateur sur online. Mais oui, en gros, pour t'expliquer, Zero Geek, c'est qu'en gros, chaque salon aura 6 slots, je crois. 6 slots, ou 4 ou 5, je sais plus, un certain nombre. Ce qui veut dire que quand tu auras un mec qui va faire un V1, les autres joueurs seront en spec dans le salon. Donc en fait, ça veut dire que du coup, en fait, soit tu fais un V1 et un V1, soit tu fais un V1 et des mecs qui spec. Donc ça veut dire que tu pourras en fait spectate les parties des autres joueurs, ce qui te permet pour les créateurs de contenu bah, tout simplement de pouvoir mieux spec une partie et de pas pouvoir, de pas avoir le truc du bah c'est chiant parce que tu spec rien, ou alors faut prendre la POV d'un mec qui te l'envoie sur Discord, c'est rien, c'est de la merde. Donc en vrai, pour moi par exemple qui voulais faire des tournois à une époque, et même pour ceux qui vont faire des tournois, parce que moi je pense en faire beaucoup, peut-être des tournois à thème, genre je sais pas, ça peut être vraiment fun, il y a plein de trucs à faire, ça va être dinguerie. C'est quoi le groupe préféré de musique de Seth Rollins? Les Rolling Stones. Bon, pour faire les commentateurs aussi un peu. Bah oui, c'est ça. Ça va être dingue, ça va être fou. Je vais tellement m'enjailler comme un ouf. Genre, il y a Byron, il va aller sur le terrain, il va faire un instant CS, je vais entendre. Ratez. Mais encore, mais calmez-vous. Inch'Allah, on perce grâce à Victory Road. Alors en vrai, mon cher Angel, je tiens à dire que techniquement tu es beaucoup plus actuellement en mode perse que moi. Je pense que tu dois te dégager un plus beau pécule et tu as littéralement 5 fois mon nombre de followers. Donc déjà moi j'aimerais bien percer comme toi. Mais Inch'Allah, moi je veux bien. Ça serait cool hein. Il y a une meuf aussi, putain, j'avoue. Du coup, Angel, tu perces dans autre chose. T'as compris la vanne, elle est pas mal hein. Ah désolé, fallait finir avec une blague de beau. Allez, en tout cas c'est là que s'arrête notre magnifique 1-1 challenge Seth Freaking Rollins. Voilà, on aura quand même été double champion World Heavyweight. On aura fait des bons runs jusqu'à surtout la fin, c'était vraiment sympa. C'était cool, on va se laisser là. En tout cas pour vous, YouTube, nous avec Twitch, on va voter pour le prochain dans le challenge. J'espère que cet épisode n'a pas trop tardé, vu qu'il a attendu j'avais pas sorti de vidéo pendant quelques temps sur la chaîne YouTube. On se retrouve à la prochaine, salut tout le monde,